Attention, on va prendre ça. Salut tout le monde, c'est Namsi, et aujourd'hui on va aller sur Childbreak, qui est aussi un jeu sur Roblox. Et du coup, let's go, on va commencer ça tout de suite, c'est parti. Bref, voilà, on est sur Roblox, enfin, on est sur Jailbreak plus précisément, hein, voilà. Jailbreak qui veut dire évasion de prison, c'est traduit en français, hein. Bref, voilà. Du coup, en fait, pour nous faciliter quelque chose, pour nous faciliter la sortie, et plus pour qu'on puisse aller à la banque, on va déjà prendre un autre compte qui est déjà connecté. Sauf que je vois pas. Waouh. Donc, il y a quelqu'un qui avait justement arrivé là maintenant, donc il va apparaître juste devant moi. Du coup, ici, 3, 2, 1, je suis là. Voilà. Du coup, ce petit mec, c'est un autre compte, en fait, que j'ai connecté pour qu'il me donne la carte. Bien gentiment. Et après, on va le buter, parce que faudra cacher les preuves, hein, voilà. Du coup, on va lui voler un petit donut. Allez, il veut pas me donner de donut. Non, je pense pas qu'il a envie. Ah, par contre, il va donner un pistolet. Et le pistolet, il va être utile, pourquoi? Pour lui casser sa petite tête. Sa petite tête là où il sourit et tout. Il est tout content. Mais je sais pas qu'il va mourir dans 2 secondes. Allez, on va compter tout ensemble. 1, 2, voilà. Bah, il est mort dans 2 secondes. Bref, voilà. Miskin, rest in peace. Ouais, et en plus, le corps il a disparu automatiquement. Du coup, ça cache les preuves direct. Voilà, c'est cool. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement prendre un shotgun, un pistolet. Bon, le pistolet, on l'a déjà. Donc, maintenant, on va s'échapper par là-bas. Allez. On saute sur la voiture et maintenant on prend la moto. La moto qui coûte plutôt cher. C'est la moto des policiers, une moto avec un moteur très rapide. Voilà quoi. Bref, ce qu'on va faire, c'est prendre un petit donut. Voilà, on a pris un donut et on va le cambrioler. Allez, donne-moi tout ton argent et plus vite que ça. Sinon, je te tire dessus. C'est bon, il m'a donné 1500 $. Maintenant, on peut se casser. Vas-y, il n'y a pas de policiers. Il n'y a pas de policiers qui viennent chez nous. En gros, c'est la ville des méchants. La ville des braqueurs. Du coup, c'est bon, on a fait apparaître notre petite Tesla Roadster et on a équipé une soucoupe volante. Et ouais. Parce que je suis niveau 50. Oui, j'ai atteint le niveau 50 il y a quelques temps quand même. Et du coup, quand on est niveau 50, on débloque cette soucoupe volante. Bon, être niveau 50, je vais pas vous mentir, c'est plutôt difficile. Et vous pouvez voir aussi en haut à droite que j'ai 933 102 $. En même temps, quand on braque beaucoup de banques, quand on braque des bijouteries et tout, c'est ce qui se passe. Bon, bref, voilà. Du coup, on va braquer la banque. Allez, let's go. Oh, il y a 2 autres collègues qui arrivent. Allez, ça va vous? Oh, j'ai un jetpack et tout là. Magnifique. Oh, il s'est caché derrière le sac. Moi aussi, je vais me cacher. Comme ça. C'est bien. Il tire sur le cul, lui. D'accord, il tire sur l'argent. Je pense qu'il aime pas l'argent parce que... En fait, je sais pas. LOL! Je sais pas ce qui se passe. Bah non, on va se caser d'ici. On a récolté nos 5000 $ alors qu'on est juste resté sur place en fait. Ouais, on reste sur place et on récolte de l'argent. Oh, c'est qui lui? Il y a un policier. Oh, le Uzi, il est tellement fort. Oh, j'ai déglingué avec le Uzi. On va prendre le petit sniper parce que en fait... D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je vous montrais tout ça. Et avec cette mise à jour, en fait, il y a des petites armes cachées dans le musée et dans la banque. Allez, let's go. Le musée, il est juste en haut de la montagne là-bas. Du coup, c'est parti. Oh, le petit salto là. Bref, maintenant, allez, sans plus tarder, on va aller au musée. Voilà, c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant là, 1 000 000 $, je vais acheter la moto du futur. Oui, parce qu'il y a une moto du futur qui est arrivée il y a déjà très très longtemps. Je pense depuis 2015-2016 elle est là. Mais je vais enfin pouvoir l'acheter parce que j'ai 1 000 000 $. Allez les gars, il y a 2 petits mecs là qui vont arriver. On va braquer le musée. En plus ils sont en hélicoptère de l'armée. Ils ont volé un hélicoptère de l'armée carrément. Pour ça ils l'ont acheté. Mais bon, ça doit coûter cher. Hein. Je pense aussi 1 000 000 $. Allez, c'est bon, on va y aller. Et dans le musée en fait, il y a un nouveau truc. Le nouveau truc il est juste là. On va voir. Il y a un revolver, le revolver de la muerte. Allez, on va le prendre. Et voilà, il est là, il est juste là, je l'ai équipé. Donc, le revolver, il tire comment? Ouais, il fait des petits bruits là, comme ça. Le revolver, il est quand même stylé, hein, on va pas se mentir. Malgré le gros bruit qu'il fait. D'ailleurs, j'ai aussi pu le tester avant. Il fait en fait 25 dégâts. 25 dégâts, c'est quand même beaucoup. Avec le Uzi, par contre, le Uzi qui coûte de l'argent, il est dans le gun shop, voilà. Dans le shop de gun. Oh mais non, ils sont partis. Ah non, il est là. Il est quelqu'un juste ici. Je pense qu'il est revenu parce que je voulais pas me laisser quand même. C'est parti, on va pull le lever. Pull le lever, ça veut dire baisser le levier. J'ai baissé le levier. Let's go, on va aller au musée. Enfin non, on va... On va aller dans notre base de volcan. Oh, par contre, il y a des petits problèmes avec les rampes, hein, parce que les rampes, je trouve qu'elles me rejettent un peu trop, là. Parce qu'en fait, à chaque fois que je veux aller sur les rampes me jettent. Voilà, c'est bon, j'ai cambriolé le musée et j'ai reçu 6 400 $. D'ailleurs, let's go, on va changer ses vêtements. Donc, tan, one touch. Ici, one touch, man.
Voilà, je suis encore et toujours One Punch Man. C'est super. D'ailleurs, je me demande pourquoi One Punch Man, il ne One Punch pas les prisonniers. Parce qu'en plus, il peut voler. Mais qu'est-ce qu'il fout dans une voiture qui va à 200 km/h? Alors que lui, clairement, il peut aller à 1000 km/h, je pense. Ouais, je pense bien. Oh, il est là. Non mais franchement le Uzi il est trop claqué. Enfin non il est pas claqué, il est pété clairement. Non mais attendez. Mais c'est quand même abusé tous les dégâts que ça fait. Ça fait genre 130 dégâts en tout avec juste un chargeur. Mais franchement j'adore ça. Ça m'arrête tant mieux hein, parce que contre les policiers il y a rien de mieux que ça. Allez on va braquer la bijouterie. Let's go. Depuis la dernière fois que je fais une vidéo sur Jailbreak, vous pouvez remarquer que la bijouterie aussi elle s'est améliorée. Parce que si vous regardez comme ça là, ça a beaucoup changé oui. Ça a beaucoup beaucoup changé. Même les graphismes ils ont changé hein, d'ailleurs. Ok vous l'aurez pas remarqué. Du coup let's go. Oh j'ai 4500. Allez 5000. C'est bon. 3 diamants ça compte comme 500$. D'accord. On y va, let's go. On va s'échapper d'ici. Il y a un diamant ici, un gros diamant, mais il donne pareil que 3 diamants. Du coup, voilà. De toute façon, je peux pas le ramasser parce que j'ai déjà mon sac qui est plein. Oui, mon sac invisible, il est plein. Oh, il est en train de camper. Je me demande, il est où? Il est là. Je l'ai encore tué. Non, mais miski. C'est la troisième fois que je le tue là dans la game. Et du coup, on va aller déposer ça tout de suite à la base. Allez, on va rentrer. Et c'est bon, j'ai déposé ça alors que je viens juste de rentrer dans la base, c'est très bizarre. Et du coup, on tout de suite dès que j'aurai 1 million. En gros, à l'instant. 3, 2, 1, c'est parti. Et donc, bah voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai 999 832$. Et du coup, pour la finale, on va braquer Azimo 3089, le créateur du jeu, ouais. Allez, il n'a plus d'argent. Ah bah rip. Ah bah rip alors. Il n'a même plus d'argent. On va prendre un airdrop. Un airdrop, c'est un truc qui tombe du ciel en fait. Ah, vraiment. Oh, attention, il y a... policier dedans, c'est bon, j'ai tué. J'ai tué un policier, c'est cool. Nice. Oh, voilà, c'est juste là. Allez, on va prendre ce truc là. Comme vous pouvez le voir, c'est un briefcase. Oh, je crois que j'étais un policier. Parce que, yes, j'ai 1 million 1332. Super. Ça. Maintenant, let's go. On va aller acheter cette petite moto. La moto du futur. De base, elle s'appelle la Volt Bike. En gros, la moto électrique. Mais bon, on va appeler ça la moto du futur parce que ça ressemble clairement à une moto du futur. On est d'accord. Allez, on va acheter ça direct, c'est parti. Interdriver. Attention, tous mes cash vont s'écrouler là, il me restera que 1332$. 3, 2, 1, c'est parti. D'accord, on a acheté ça. On a acheté la moto du futur. D'ailleurs, on pouvait aussi acheter le Monster Truck. Bon, le Monster Truck, il est bien, mais c'est le premier truc à 1 million qui est sorti, du coup, il est pas du tout nouveau. Et après, il y a aussi l'armée de... l'hélicoptère de l'armée. L'armée de l'hélicoptère. Attention, on va prendre ça. C'est parti, on est bien mis là. Wow. Ah, je savais même pas que ça faisait de bruit en fait. Ah ouais, ça fait... Wow. Je fais des saltos arrière là. Sans m'en rendre compte. Allez, c'est parti. D'ailleurs, on va aussi un peu customiser ça. Je sais pas si on peut améliorer le moteur. Et bon. Ah non, on peut pas améliorer le moteur, mais par contre, la texture aussi. La texture. La glace est plus stylée, on est d'accord. Moi, je trouve que c'est plus stylé la glace. Et après, on peut aussi mettre le body color. Bon, le body color, on va le laisser en bleu, mais juste pour vous dire. Hein. Bah là, on peut le mettre en jaune, en rouge, etc. Moi, je vais le laisser en bleu. Hein. Ouais, bah, allez, comme ça. Allez, on va quitter ce garage. Ouais, par contre, en arrière, c'est un peu chelou. Hein. Waouh. Oui, quand même. Thank you. Mais en fait, c'est clairement la moto du futur parce que là. ça saute. Ouais, comme on peut le voir. Vous savez quoi il va ouvrir avec le sniper. Wow. Ah je l'aurais fait à eux de 80 dégâts. Non mais le sniper franchement il est trop cheat. Non mais là on peut pas dire qu'il est pas cheat. Franchement. Le sniper il peut traverser le mur hein. Voilà je tiens à vous le dire. Il peut aussi traverser le corps. Ils avaient de plus en plus de dégâts quand vous êtes de plus en plus loin je pense. Ouais. Vu que là j'étais plutôt de près. Ça fait 47 de dégâts. Mais s'ils sont à 1 km là-bas, je pense que ça fait 150 de dégâts hein. Clairement. Allez on va juste tester cette petite moto. Ah oui d'accord. Elle peut escalader les montagnes. What? Oh mais c'est trop stylé. What, elle escalade les montagnes et tout. Oh les gars, j'aimerais tellement avoir une moto comme ça dans la vraie vie. Ça trop bien. Ça c'est plus une moto hein, on est d'accord. C'est speed en moto. D'ailleurs on peut aussi échapper aux policiers très facilement. Genre là, imaginons il y a des policiers partout aussi. On va par là. Bah c'est bon, elle aura déjà échappé là. Ils savent même plus où on est. Au pire, s'ils sont juste ici dans le lac, c'est bon. Vous sautez au-dessus de la montagne. Comme ça, c'est bon. Vous vous cassez tranquille, quoi.
Non mais franchement, elle est trop cheat cette moto. Elle est trop bien. Non, franchement, je regrette pas du tout mon achat. Mon achat d'un million, je le regrette pas du tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui sortent. Il y a deux vidéos qui arrivent juste ici. N'hésitez pas à vous abonner aussi en cliquant juste ici. Et sur ce, moi je vous dis à notre prochaine vidéo. Ciao tout le monde et peace.